Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez dû le voir dans le titre, du coup, je vais réagir à mes résultats Parcoursup. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà vu où j'en étais, donc j'étais sur la liste d'attente. Et bon, comme vous savez, j'ai 23 ans, j'ai arrêté les études et je me suis mise à travailler. J'ai goûté le monde du travail, c'est bon, je vais pas rester. Je veux pouvoir trouver un travail qui me plaît. Après, bon, vous connaissez, moi, ce que j'aimerais faire, c'est être créatrice de contenu, grave connue, jouer dans des films. Jusqu'à j'ai envie de reprendre du théâtre et j'ai envie de que mon webtoon, il explose et tout, là, là, là. Tout le monde reconnaît mon talent de dessinatrice. J'ai envie de faire plein de trucs avec les réseaux sociaux. Donc, voilà, ça c'est vraiment mon objectif, mais je pense que je devrais reprendre les études dans l'art justement pour reprendre un peu les bases au niveau du dessin et aussi potentiellement avoir une carrière qui se range vers le dessin plutôt que ce que je fais actuellement qui est le service, la gestion de clients, là, tous les trucs comme ça, là. Comment ça s'appelle? C'est un nom. Eh bref. Genre plutôt que faire ça. Donc on va réagir. Comme d'habitude, si vous aimez ma chaîne, mon contenu, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter en bas, à liker et à activer la cloche de notification. Comme d'habitude, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Fait des captures d'écran là, je sais pas si vous voyez, j'ai fait des captures d'écran de mon rang, tout ça. Purée, j'aurais dû prendre en photo aussi les classes, mais dites-vous que c'est que des trucs d'art et il y a deux trucs hors sujet, genre. Alors, déjà, je suis en liste d'attente partout. La première liste d'attente, c'est un BTS que j'ai mis au cas où que mes autres trucs ils flopent. Du coup, j'étais en 31 places et avant-hier, j'étais à 18. Un autre truc d'art plastique, mais sur Paris. J'ai été 2649 en termes de place. Et avant-hier, j'ai été à 1818. Encore un truc d'art plastique, mais cette fois, c'est spécialisé dans un domaine. J'étais 495 en termes de place. Et là, je suis à 370. Enfin, avant-hier. Ensuite là, l'université que je veux. Ah oui, voilà, c'est lui l'université que je veux, pardon. J'étais 1857e et là je suis, enfin avant-hier, 1323e. Donc on va regarder les résultats. Bon, là du coup, je vais sur Parcoursup. On est d'accord que Parcoursup, c'est pas... Je vais le mettre comme ça. C'est pas très clair hein, pour se connecter. Alors, déjà, mes vœux, ils sont toujours en attente. Du coup, ça veut dire que j'ai aucun vœu qui a été accepté. Pour le BTS dont je vous ai parlé, je suis 13e maintenant. Je vais mourir. Pour l'université, ça, c'est à Paris 1. C'est licence art plastique. Je suis 1553e. Pour une autre université, je suis passée à 329e. Pour l'université, bon, ça c'est bien, mais pour l'université dans laquelle j'ai envie d'être, c'est 810e. Genre, c'est une université d'art. Ok, bon, bah 810e, et sûrement que ça va continuer à avancer, mais j'aimerais vraiment aller dans cette université-là. Pour une autre, j'ai pas beaucoup avancé, je suis à 1139e. Et pour le dernier vœu, bah en fait, faut que je contacte une entreprise et tout, voilà. Du coup, c'est à peu près ça pour l'instant où j'en suis. Vous voyez que j'essaye de garder le sourire, j'essaye de me concentrer. Parce que je pense vraiment que même si pour cette année, je ne suis pas inscrite à la fac, déjà, j'ai une autre formation potentielle payante de ma poche et tout, que je vois si vraiment ça floppe. Mais je pense que tout au long de ma vie, je vais retenter. Je m'en fous. Genre, je vous jure,
retenter. Si vous êtes dans l'échec, retenter. Il faut retenter encore et encore et encore. Surtout que moi, j'avais des bonnes notes. Et le truc qui fait que potentiellement, en septembre, j'aurai pas d'école, ça serait plus le fait que... comment je pourrais vous expliquer? En gros, j'ai 23 ans et j'ai arrêté les études. Du coup, ils priorisent les lycéens. Parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui disent « Ouais, à cause des redoublants et des personnes qui veulent reprendre les études, on n'a pas nos places et tout. » Ça fonctionne pas vraiment comme ça. Vous êtes prioritaire quand même. Pour ceux qui veulent reprendre les études pour pouvoir faire un métier qui les intéresse, n'hésitez pas à le faire. C'est, franchement, on m'a dit c'est dur au début, mais après ça va. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais acheter un cahier de vacances et tout pour un peu me rappeler tout ce qui était... enfin, il n'y a pas de cahier de vacances pour ça, mais tout ce qui était philo, tous les trucs comme ça. Je vais acheter un cahier comme ça quand j'aurai ma paye pour pouvoir réviser l'été, etc. Et dans tous les cas, même si je ne suis pas prise, bah ça sera quand même bien, quoi. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses. On garde courage, on aura tous les vœux qu'on aime. J'avoue, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je suis sur la liste d'attente. À l'époque, là, quand j'étais à la fac, juste avant de rentrer à la fac, quand j'étais dans cette situation, mes vœux, ils avaient été acceptés direct. Du coup, c'est la première fois que je suis dans cette situation, donc ça me fait un peu bizarre. Mais on reste optimiste, on va pouvoir reprendre les études qu'on veut et avoir la vie qu'on veut. On reste optimiste, allez. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter en bas. D'ailleurs, demain, je filme une très grosse vidéo parce que j'ai été invitée à un événement. Bon, je mens. C'est Yanis, il a été invité et je suis encore de plus un. Donc, je prépare le vlog. Vous allez kiffer, vous allez venir avec moi toute la journée. Donc, je suis pressée. Bon, je travaille la journée et l'événement, il est le soir. Donc, comme d'habitude, je vais vous ramener, essayer de raccourcir le plus possible la journée pour que vous voyez vraiment l'événement. Donc, soyez à l'affût pour la prochaine vidéo. Et je suis trop pressée de pouvoir vous la montrer. Vous allez kiffer. Je vais pas vous en dire trop. Je suis pressée qu'un jour, ça soit moi qu'on invite et que je suis pas juste le plus un. Je suis trop pressée. Un jour, ça sera moi. Bref, en tout cas, je suis contente pour les vœux parce que j'ai pas mal avancé du coup quand même. Donc voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez la vidéo, à commenter en bas, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Je vous laisse à une prochaine vidéo. Mouah.